Canada, go! Hop, 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 hop! Quand que on va être sur la glace, c'est nous qui performons, mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est encourageant, puis ça nous aide quand on sait que chaque personne crie notre nom ou crie juste pour nous dire vas-y, go, avance, puis l'énergie que ça nous donne, puis c'est vraiment incroyable, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Puis avoir l'énergie, la foule, c'est vraiment une énergie incroyable de sentir ça. C'est de la neige qui bouge en dessous de toi. C'est vraiment transféré directement dans l'énergie de mon ski. Pour moi, c'est super important d'avoir l'appui de la foule. Nous, on compétitionne, on est très focussé sur ce qu'on fait. Mais si on a des gens qui sont là pour nous encourager, c'est une façon physique de nous démontrer leurs encouragements finalement. Bouge en rouge. C'est une super belle initiative. C'est pour grouper les gens, pour amener tous les gens dans la même direction finalement. On veut que tout le monde soit là pour encourager les athlètes. Qu'est-ce que bouge ça rouge veut dire pour moi? Le fait de savoir que la ville et le Canada entier nous supportent dans cette aventure. On veut être fiers, on veut bien représenter le Canada. Puis d'avoir des fans, d'avoir des gens qui nous encouragent, c'est super important pour nous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir tout le monde derrière nous, puis d'avoir l'énergie, créer une ambiance. Puis il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de mauvaise manière. C'est vraiment de démontrer que vous êtes fiers d'être Canadien. De partir du rouge, puis d'embarquer dans le jeu avec nous, puis de nous aider de cette façon-là. Qu'est-ce que je vois devant moi en 2010? Je vois du succès et je vois la foule en délire et la victoire. En 2010, rouge, ça bouge.